Oui, Sarah, je suis donc avec Mathilde. Il y a un indice encore à récupérer ici. Pour ce faire, Mathilde, tu vas devoir crier au reste de l'équipe qui est à l'extérieur des chiffres que tu vas découvrir au fur et à mesure de la progression qui t'est proposée. Bon courage à toi. Ah ! C'est moi. Sarah, tu peux demander à Corinne et à Didier de suivre Passe-Temps, s'il te plaît, d'accord, pour la prochaine Corinne, aventure. Corinne, Didier, vous suivez Passe-Temps, voilà, vous allez vous occuper pour la prochaine aventure. Tu donnes la cartouche à Passe-Partout, il va s'en occuper. Attention, Mathilde. Bonne chance, c'est parti. Allez, lâche rien, c'est bien, allez, avance. Je tire. Ouais, sous un phare, là, lâche rien, allez. Bon, il faut lui dire quand même qu'elle a le temps, hein, parce que ça vient juste de démarrer. Tu as le temps. Qu'elle avance toute seule, ça c'est la difficulté aussi de cette aventure. Donc quand elle sort, 660. Elle est enfermée. Non, 653. 653. 653. 653. 653. Demandez-lui de confirmer à la. C'est bien ça? Très bien. Bravo Mathilde. Bravo. C'est bien. C'est bien, continue. C'est très bien là. Je vois rien. Tu vois quelque chose? Attends. Il y a un petit monticule, il faut qu'elle souffle dessus. Je vois rien. Tu souffles sur le petit A. Le petit A c'est quoi? À droite au bout. Sur ta droite au bout. Est-ce qu'elle voit le texte par là? Voilà, très bien. Il faudrait qu'elle rentre plus dans la voie. Rentre un peu plus. Voilà, pour pouvoir bien souffler et réussir. Souffle un peu plus. 8, 0. Plus près de la base si tu peux. Plus fort. 800. Continue un petit peu. 829. 8, 2, 9. T'es sûr, Mathilde? C'est bien ça? 829, demandez-lui. 8, 2, 9, 829. Oui. C'est très très bien. C'est bien, continue. Alors dans la prochaine boîte, il faut qu'elle tire donc sur ce petit cordon. Hein. Tire sur le petit cordon que tu vois sur ta gauche. Avec tes dents. Comment je tire sur ta droite, pardon. Comment je tire dessus avec ta bouche? Voilà. Avec tes dents, comme ça. Bien, tire. Il faut qu'elle tire vers le bas. Non, c'est rien. Il faut qu'elle regarde en haut. Qu'est-ce que je fais? Regarde en haut, t'inquiète pas, ils ont peur. Regarde en haut. Ah, maman, 470. Oh putain, bien. Vas-y. 466, 46. Ah, ça n'a pas de pareil. 470, moi j'ai entendu 470, vérifie. Mathilde, de combien? Hein, quoi? 470. Combien le chiffre? 470, bordel de merde. Alex, bravo. Bravo, super. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avance, Mathilde. Oui, j'avance, ça va. C'est bien. Ouais, mets le truc dans la douche, le petit machin, là. Mais la petite pipette. Alors maintenant, il faut qu'elle aspire la paille. Ah, bon. Qu'elle boit la paille. Voilà, mets la petite paille dans la douche. Oh, t'as allez, bois. Le petit rafraîchissement. Allez, vas-y. 261. 261. Vérifiez quand même. 261. 261. C'est ça. Allez, encore une fois, et après c'est fini. Encore une fois, c'était bon. Hugues, le calcul, tu le gères bien, qu'est-ce là. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Allez. Allez, avance. C'est très bien. C'est bien. Ouais. C'est bien. Oui. Dans le tuyau. Il y a un tuyau. Dans le tuyau pour faire bouger la balle. Il est cassé, le chiffre, bande de rats. Il fallait souffler dans le tuyau. Oh, quoi, il m'a dit. 912. Combien? 912. 912? Ah, tentez 912. C'est tout ce qu'il reste à faire. En tout cas, 5, 2, si c'est pas 5, ça, 5, tant pis. Parce que ce qu'elle a fait, Mathilde, je pensais pas une seule seconde moi, qu'elle allait faire cette épreuve. Ah non, pas tant pis, on lui parle plus jamais de notre vie. Oh, Alex, c'est dur. Non. C'est pas parce que toi, tu as réussi que. Non, c'est bien ce qu'elle a fait. Non, elle a vraiment surmonté. Ça fait tous les deux d'ailleurs ce matin. Oui, bravo, Mathilde. Bravo, Mathilde. Génial. Oh, elle doit être contente. Bravo! Bravo!